Ok, jouer contre les Coyotes hier, bon. On a gagné, bon. Mais là, est-ce que ça achève cette disette? D'accord, qu'est-ce qu'une disette? Je vous explique. Disette n'est pas le son que ça fait quand on s'électrocute après le socket de notre lampe torchère. Une disette, c'est quand il se passe rien pendant un bout de temps. Mais là, pourtant, il manque pas de motivation. La motivation, il y en a, la motivation, il y en a. Qu'est-ce que la motivation? C'est un joueur dans le ciel qui crie, moi, je veux gagner, puis tout le monde dit, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ben, c'est ça, la motivation. Ça, il y en a, ça, il y en a, ça, il y en a. Il y en a, il y en a. Oui, il y en a, ça, il y en a. C'est nano, pas nano, pas, mais c'est nano, nano, puis nano. Mais c'est nano. De quoi qu'il y a pas, c'est nano! C'est nano, y a de quoi qu'il y a pas, de quoi qu'il y a pas, c'est nano! Et c'est là qu'arrive le coach, Michel, t'es quelque chose, contrairement à ton nom de famille qui dit le contraire. Ton équipe se foire toujours un petit peu à l'approche des fêtes, une tradition, toujours ça arrive, tu gardes les joueurs sur le banc, sont pensifs. À quoi que ça pense un joueur du Canadien à l'approche des fêtes sur le banc, moi te le dis tout de suite, il pense la phrase suivante. Faute d'avoir trouvé la bague que désire ma blonde pour Noël, ai-je bien fait en deuxième choix d'y avoir acheté l'album de Noël de Maxime Landry? C'est à ça qu'ils pensent les joueurs sur le banc à l'approche des fêtes, ça peut peut-être expliquer une petite dégringolade, mais là, ça va faire! Bon, puis là, Piqué sous ban. Que dire de Piqué, à part que son prénom retentit dans toutes les rues de Montréal de ce temps-ci à cause de la phrase Piqué une fouille sur le trottoir de la rue des Pins suite à l'excellent travail de déglaçage de la voirie? Non, je ne vois pas quoi dire d'autre de piquer. Non, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Allô. Salut, Ramon. Allô. Moi, je pense que le Canadien va retrouver le chemin de la victoire. Oui, mais comme c'est une destination qui ne s'écrit pas sur un GPS, comment qu'ils vont le trouver? Ben, tu sais, ils ont passé un bout que ça voulait pas. Ben oui. Ça arrive à tout le monde que ça veut pas. Ben oui. À toi et puis moi. Oui, ça arrive à toi et puis moi. Sauf que nous autres, on peut toujours dire à notre blonde, ouais. Désolé, chérie, ça veut pas. Je te jure que c'est pas toi. Voudrais-tu, s'il te plaît, mettre le costume que je t'ai acheté à la quincaillerie? Oublie pas les deux bonbonnes. Oui, mais une équipe, quand ça veut pas, ils disent quoi? Parce que moi, je trouve que ça... C'est ce que ça prend, mon chum? Ouais. Ça prend une étincelle. Hein? Étincelle! Ah, OK, t'es un peu... Non, je te dis pas de fermer ton cellulaire, je te dis que ça prend... Ils veulent finir au top du classement. Oh non, faut pas qu'ils finissent au top du classement, dans ce temps-là, c'est foire en série. Faut qu'ils finissent comme 5, 7e. OK. S'ils veulent être sûrs de passer la première ronde. Ouais, ben... Attention, passer la première ronde, ça veut pas dire avoir sa première aventure avec une personne de forte taille. Écoute, mon chum, passe un beau temps des fêtes. Toi aussi, Raymond. Puis mélange pas l'alcool avec le volant. Ah, non. Prends une spatule, parce qu'un volant, ça mélange bien mal. Ouais. De toute façon, c'est quasiment impossible à détacher du dash. Je sais, j'ai déjà essayé.